Donc tu es en train de faire une maison pour les abeilles, c'est ça? C'est ça, oui. T'as de la compagnie à côté, on dirait. Hein? C'est super. C'est super, elles ne cherchent pas des noises, elles sont vraiment sympas. Ça chante. Une belle activité là-dedans. C'est un chantier chantant. Bon, ben voilà, ça avance, hein, la construction. Moi, je vais remettre une bûche par ici, là. Tu mets des briques de temps en temps aussi? Non, hein? Ben là, c'était juste pour faire un niveau, puis c'est tout, hein, ça, ouais. Ouais. C'est un bout de bois de coin, là. C'est un bout de bois de coin. C'est juste pour. Hein? Et voilà, la ruche est terminée et maintenant elle est peuplée. Nous avons placé un petit essaim à l'intérieur. Et les abeilles ont rapidement trouvé les petites entrées à différents niveaux. Dans le bas de la ruche, une petite porte d'accès par laquelle elles rentreront plus volontiers quand la colonie sera développée. Pour l'instant, nous avons recouvert la ruche avec une botte de foin en attendant que ce toit soit végétalisé. À la place de la botte de foin, nous mettrons un peu de terre et quelques plantes qui se plaisent sur les toitures qui n'ont pas besoin d'arrosage ni de beaucoup de substrat pour pouvoir pousser. Cette jolie pièce de bois qui sert à l'entrée de la ruche, c'est un morceau d'un joug de bœuf que nous avons inséré, nous avons coupé et inséré dans la ruche. Une ruche où les abeilles seront bien protégées et où leur trésor de miel sera bien gardé.